J'ai tout raté. Je Salut les copains! On se retrouve tous ensemble dans cette vidéo pour visiter l'Aubrac. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Ça y est, j'ai calé en plein croisement. Croisement au passage. Hein. Je vais signaler que là, vraiment, je mets ma vie en danger. Et ah, ça y est, je suis à fond. J'ai cru que j'avais bloqué ma. Voilà, je passe pas. Allez, vas-y, manœuvre. Saint-Chély-d'Aubrac et du coup on en a profité pour racheter des petits trucs au cas où il nous manquerait quelque chose et là on part sur une petite route un peu à l'improviste. On a vu un panneau faites attention, il y a les randonneurs. Du coup on s'est dit que ça pouvait être une route à exploiter pour pouvoir attends, il y a un passage difficile avec débuter la randonnée pour pouvoir camper. Du coup de rien pour pouvoir trouver un endroit pour camper en fait. Mais également par souci d'alléger le sac, je n'ai pas pris de pompe. Et nous avons un matelas qui n'est absolument pas auto-gonflant. Je suis partie pour à peu près une demi-heure de soufflage, voilà. Et je pense que je vais tomber dans les pommes avant la fin. Heureusement, il y a une valve anti-retour parce que là, c'est bon, on n'y pense même pas la galère sans valve anti-retour, quoi. Faut pas que je mange le slip, sinon je vais baver. A plus, à tout à l'heure. Donc là, on est installé dans la tente, il est 9h30, le soleil est couché, mais il fait encore jour, quoi, mais il n'y a plus de soleil.
Et Mathieu a regardé dans la voiture, il fait 10 degrés et il est mais gelé de l'autre monde. La dépression quoi, matez-moi cette... Et moi pour une fois j'ai pas froid, pourtant je suis toujours l'archi frileuse quoi. Et là je suis au top. Et salut les copains, il est 5h15, il y a la lune qui se lève et franchement moi pour ma part j'ai vraiment eu froid toute la nuit, mon sac de couchage il est pas assez épais, pourtant c'en est un qui est censé descendre à basse température. Ça fait vraiment plusieurs fois que je me rends compte que pas du tout, enfin en tout cas pour moi il me va pas. Bon, Kylian lui par contre il a dormi en non-stop toute la nuit. Bon là malheureusement comme Bastien et moi on se réveille, il se réveille aussi, mais sinon je pense qu'il aurait dormi plus, puis de toute façon il va dormir encore un petit peu. Et Bastien je crois que... J'ai froid toute la nuit. Voilà. T'es censé... la météo disait qu'il ferait 7 durant la nuit, mais en réalité il a fait 2. En ressenti, il a fait certainement 0. En plus, il a fait une boulette parce que il a calé un sac sous sous le toit de la tente et du coup, l'air s'engouffrait énormément. Et lui, il était pile dans le courant d'air, quoi. Donc, c'était bof bof. C'est donc sur ces superbes images de Bastien qui galère à replier la tente sous le vent que nous finissons cette première vidéo sur l'Aubrac. Oui, tu as bien entendu, c'est la première vidéo, donc non, je ne t'ai pas arnaqué, puisque tu vas effectivement voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais dans la deuxième vidéo. Et puis, je te fais de gros bisous, à plus. Village. Il est gravaté.